Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai épargné la petite guerre qui nous a quand même, qui m'a coûté très très cher en troupes. Ouais, il me reste plus que 100 en troupes pour vous dire. Et nous gagnons cette guerre. Voilà. Et nous pouvons créer le royaume de Bourgogne. Je modifierai ultérieurement et voilà. Ouh. Waouh. Allez, ça change de couleur quand même. Mais bon, c'était le royaume de la Bourgogne. Donc voilà. Donc mon escorte est morte. Hop. On va essayer de la reconstituer le plus vite possible. Bon bah ici on peut retirer ses troupes. Bon alors j'ai gagné cette guerre mais pas qu'un peu. Hein. J'ai recharé 5 fois la partie pour vous dire. Alors 5 fois je vous fais bonjour, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est... C'est bon, toi tu peux quitter l'armée. Tu peux quitter. Voilà, c'est... Ah, excusez-moi, téléphone. Voilà, c'est bon, c'était rien de grave. Voilà. Donc le Kaiser a perdu énormément de... Là c'est une erreur par contre. Ça c'est quand vous avez suffisamment... C'est justement quand vous aviez diplomatie assez élevée, ça. Et je voulais... C'est à lui que je voulais donner le titre de... avec tout ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Voilà. Donc moi je me suis gardé pas grand chose. Le comté de Bourgogne, bien évidemment, c'est ma région de base. Le comté de Paris, parce que Paris c'est on peut lever le plus de troupes. Même si je suis en train de me dire qu'au final... On a dit de foncer contre les Paris. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Propose qu'il rachète le prisonnier, comme ça me rapporte de l'argent. Et au moins ça me rapporte surtout des troupes en plus. Elle est encore enceinte, et ben. Je vois pas en fait pourquoi c'est lui l'héritier. Bon, vous voyez les informations là, je vous montre. Ça c'est une commande que j'utilise assez souvent quand je suis tout seul. C'est que par exemple ça vous donne ces chars info que vous tapez dans les deux commandes, ça vous donne par exemple l'idée du personnage, dirigeant religieux, héritier, tout ça, ça vous sait pas. Sa résistance physique, donc la chance qu'il meurt, la fertilité qu'il a, son ethnie après porter tout ça, ça c'est des. C'est l'image ça le portrait. Et après Even, ça c'est tous les events qui sont arrivés. Hein. Bon Befou, ethnie, portrait, tout ça. Vu que j'ai repris ma partie
Récemment, j'ai repris ma partie où je suis l'empereur de Saint-Empire romain germanique. Où je suis l'Empire romain, voilà. J'ai reconstruit l'Empire romain, donc je suis l'Empire romain et il me reste quelques territoires là. Et j'aime bien avoir ça en fait en plus. C'est une habitude que j'ai pris toujours à avoir ça. C'est sympathique, je vais pas vous mentir. Étonné qu'avant j'ai joué à ça, ben, c'est resté pour cette partie. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'ai lancé le jeu, ça n'apparaîtra plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent cheater, voilà comment vous faites. Et pendant votre absence, j'ai augmenté ça d'un point, ce qui me permet d'avoir encore plus de troupes dans mon host. Mais bon, à part ça, vous avez rien loupé d'exceptionnel. Et on constate que le Saint-Empire perd beaucoup de son autorité. En Italie, la Lombardie, la Suisse, en Cône maintenant. Ah ouais. Moravie aussi. C'est incroyable ça. C'est un peu ce qui se passe assez souvent avec le Saint-Empire, c'est qu'à la fin, c'est vrai que c'est chiant toujours avoir ces infos quand même. Je suis tellement habitué à avoir ces infos, je trouve ça sympa. Ah ça tant pis. Oh le corps, d'accord, ça c'est un tant pis. Une revendication. Ah oui, ça c'est ma revendication du fait de mon duché, ça, de mon royaume. Ancienneté. Bon, marché électif, c'est ce que je vais faire. Hein. Voilà, ces thèmes. C'est pas lui l'héritier. Non, mais ils m'ont toujours pas dit de l'éduquer en fait. Ah, il n'y a pas encore eux là. Ouais, c'est bon, ça me rassure. Toujours en train de voir récupérer les titres les autres, mais c'est incroyable ça. Voilà. Et là, moi je reconstitue un peu mes troupes. Hein. Évidemment. Fait partie du royaume d'Aquitaine. Ah bah le royaume d'Aquitaine, c'est de nouveau uni. Mélisène. Et nous qui ordonne. C'est quoi ce bug? C'est bizarre en fait que j'ai aucune en fait sur chacun. Parce qu'à l'instant j'avais ça c'était primogéniture. C'est vraiment un truc qui m'interpelle ça. Au pire j'utiliserai pour un code. Je sais, il y en a qui vont pas apprécier, mais j'utiliserai sûrement un code pour corriger ça entre guillemets. J'utiliserai un code qui permettra de mettre primogène, qui permettra de changer comme je vais loi de succession. Monarchie active. Je mettrai primogéniture sur les trois. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, ça. Mais je m'en fiche. En tout cas pour ces deux je mettrai primogéniture parce que de base ça aurait dû être ça. Parce que quand vous créez un royaume, par exemple si vous êtes empereur vous créez un autre royaume, les lois de succession qui s'appliquent sur ce que vous venez de créer sont les lois de succession de votre titre principal. Or au royaume de France j'avais mis primogéniture
Et ce n'est pas resté, donc je préfère tuter un peu pour au moins que ça reste. On rentre avec beaucoup de personnes. 2 ou 250. 3. Non, non. Éduquer. Ouais. Vous constatez aussi que j'ai plus rien dans mon domaine. J'ai quasiment tout confié à d'autres. Faut dire aussi que ça sert un peu à rien. Quand vous êtes 3, ça sert à rien d'essayer de voir un grand domaine. Moi, je vous conseille plutôt de garder un ou deux duchés. Par principe. Plus souvent je garde toujours le duché de base par principe, même si plus tard je le donne. Et toujours garder un comté. Ouais, ils sont en train de se faire un peu ce qu'ils veulent. Ça c'est bien. La morale. Comme ça, dès que je peux en inviter, j'en invite. C'est moral ce que je fais, je sais. Chute libre, ça craint, je sens qu'il va avoir une... ça s'élit, donc c'est pas à vous de vous en occuper, ça. Donc ça... C'est des bonnes nouvelles, ça aussi, nous pouvons faire. Ah mais tout le monde veut sa mort. Ah mais c'est magnifique ça. Alors on va refaire ça. J'alterne un peu les deux pour l'instant. Oh mais gars, eh, mais y a tout le monde qui veut ça. J'ai jamais trop fait des complots d'assassinat, mais finalement, les histoires qu'ils mettent dessus, je vous laisserai lire. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut me dire ce qui est, c'est intéressant. D'ailleurs... sa mort, donc au final c'est pas possible qu'on n'arrive pas à l'avoir quand même. Certes je prends des risques, mais bon, c'est vite.
Non, c'est quand même marrant, quand même, des complots comme ça, c'est... Bon, par contre, constater que... Tu testes. De Christopher. De Scan. Je sais pas pourquoi je veux... Je veux l'assassiner, mais je veux l'assassiner. Si je pourrais, j'embrasserais ce serpent. Voilà. Bon bah j'ai un nouvel héritier. J'aimerais revendiquer Vendôme en fait. Hop, mettre fin au complot, voilà. Bon, il se passe plus grand chose, je m'en excuse. Hein. On s'est pas vu les guerres, mais bon, moi c'était vraiment... J'ai passé plus d'une heure quand même sur à peine 2 ans de guerre contre le Saint-Empire. Alors, je vous laisse imaginer la guerre pour le Danemark. C'était long, long, long et long. Oh. Mais bon, c'est fini cette guerre-là. J'ai modifié ça quand même. Voilà, troupe de choc, je pense qu'on a assez, on va refaire encore un bataillon de piquiers. Je fais 7-3 en escarmouche. Ici on met 5-3, 10 en défense. Donc c'est une très bonne unité défensive ça. De 5 1. Les piquets c'est vraiment excellent pour défendre, les troupes de choc pour attaquer. Il est pas mort mon héritier. Non, il est pas mort. Ouais, ça c'est quand vraiment m'énerver ce bug là. Je vois que j'en parlerai pas, je remets pendant toute la partie, je vais en parler, mais c'est vrai, c'est chiant ce bug. Oh non, elle est morte. Oh non. T'es une si fidèle épouse. Moi, et je vais trouver qui? Courtisan, courtisan. Y'a pas mieux. Pourquoi je suis bloqué à des personnes de... Je sais pas pourquoi j'ai que des courtisans, ça m'interpelle là, sur ce coup.
9300 hommes sur 9338 hommes que je peux avoir, c'est... C'est pas 9300 hommes précisément, c'est chaque unité a sa valeur dans les escortes. Et ça a une interférence après sur le reste. Hein. Bon, en tout cas, Aquitaine, je vais bientôt leur déclarer la guerre. Si jamais ils meurent... S'ils meurent pas avant, ça, en fait, ça peut m'arranger. Que si j'aurais fait, en fait... Voilà, je peux revendiquer Nîmes ou je peux revendiquer ici. Que je lui fais la guerre, je le tue. Je gagne, après il meurt un peu plus tard. Donc c'est-à-dire qu'à une nouvelle personne, je peux redéclarer la guerre. Non, je m'impressionne. Alors toi, j'avais oublié que t'avais pas de tuteur, donc... Wow. Eh ben toi, t'es bien. Éduqué. Voilà. D'ailleurs, Rome d'Aquitaine. Voilà. No comment, je pense, hein. 22 000 hommes, quasiment 23 000. Je peux soulever maintenant autant d'hommes que le Saint-Empire. Magla. Ça démontre que le Saint-Empire est en lambeau. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Pas plus mal aussi, ça. J'aurai 5500 hommes en escorte. Ce qui est énorme. Je vais pas nier. Mince. J'ai pas eu le temps de participer à la grande partie de chasse. Et organiser un banquet me coûte tellement cher que ça serait pas rentable. Bon, on sait déjà sur qui on va taper en premier. Hein. 1500 hommes. Ouais, ça va, 1500 hommes. Je pense pas que ce soit une guerre très compliquée à gagner. J'ai pas d'hérité de dynastie, ça commence à m'énerver. Voilà. Alors moi je te déclare la guerre pour direct. Pour récupérer ici l'année de moi-même. Après je donnerai à une autre personne ce comté. Et voilà. 900. Voilà. Ça va mettre Fioni, ça va bien. Voilà, on regroupe les armées. Bon, par contre, mon armée n'était pas organisée, donc ça m'a coûté quand même l'attaque, mais c'est pas grave. Donc, le but est de gagner du temps là, dans cette guerre. Un embargo, d'accord. Yep. Pas de temps. Ils ont attaqué très vite sur le flanc quand même, c'est... Voilà, j'arrive derrière avec une armée quand même beaucoup plus... grande, hein. Il n'y a pas à nier, je gagne forcément dans ce coup, hein. J'ai perdu 1,87, j'ai quasiment regagné tout de suite derrière que j'ai perdu. Voilà. Et ce qui est bien depuis certaines mises à jour, c'est que maintenant en fonction de la région où vous êtes, les bâtiments changent.
Par exemple, ici, c'est des bâtiments en bois. Avant, il y avait les bâtiments en pierre et les bâtiments musulmans. Bon, c'est une mise à jour qui date quand même d'un petit coup, mais c'est quand même quelque chose que je trouve sympathique parce que c'est une immersion un peu supérieure dans le jeu quand même. Enfin, avis personnel. Après. Et mince. Donc nous voilà, bon. En train de modifier en même temps hein. Pour éviter que ça se... Vous avez vu ce qui s'est passé à l'instant, donc j'ai envie d'éviter que ce petit problème se reproduise, donc j'essaie de très rapidement en fait de finir mon bordel. Parce que ce qu'il faut en fait c'est que l'autorité de la couronne passe à haute et je serai autorisé en fait à mettre primogéniture. Ici en fait j'en profite aussi pour mettre carrément en absolu. Mais bon c'est. Ça demande du temps. Tant que nous n'avons pas tout le temps. Donc voilà. Par ici. Bon ici ils sont obligés de perdre vu le nombre qu'ils sont. Ce n'est pas le problème. Par contre ils pourraient se dépêcher eux quand même, ça m'arrangerait. Le flanc droit il tombe, le flanc gauche il tombe, le centre c'est kiff kiff. Le centre il cède aussi bien évidemment maintenant. Une fois qu'on ira en mêlée ça sera... Oui là ces factions dangereuses c'est normal parce qu'ils vont pas aimer le fait que j'ai changé les lois. Je sais pas qui dedans. Voilà. Compliqué. Où je passe en monarchie élective au cas où. J'ai 46 ans donc l'armée ennemie est quasiment plus donc c'est pas le problème ça. Un véritable problème c'est quand même de savoir comment je vais faire quand même pour passer ces lois là. Je connais les cheats pour me repasser après au
pire des cas, je peux toujours repasser ça par cheat les royaumes que je perds. Mais bon, c'est pas marrant. Et tout ça, je crois bien que je suis en train de réfléchir, ça vient du fait que j'ai... Depuis que j'ai donné le comté de Paris, en fait. J'ai donné de l'argent à tout le monde en fait. C'est pour ça aussi que vous avez une plus grande somme d'argent, c'est justement pour me permettre de soudoyer un peu tout le monde. On a 5000 hommes. Hommes, donc ça va vite se reconstituer. Mine de rien, ça m'énerve ça. Que le problème, c'est que si je passe tout en monarchie élective, c'est que je vais tout perdre. Faut être honnête. Avec le temps, c'est que j'aurai les votes, ça c'est une certitude, mais... Voilà, il y avait combien de temps c'est que j'ai pas vivre éternellement dans ce jeu. Avec qui à trêve? Ça, ça casse si, ça c'était pour la Bretagne. Oui, j'ai quasiment fait toutes les guerres en même temps, avec la même personne. Donc, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais me débrouiller pour que votre succession m'arrange, pour éviter que la partie s'arrête si tôt. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.